huitième, je sais pas, non, en vrai, je sais pas à quel épisode on est, on a plus de 50, moins de 60, de Elden Ring. Après moult soucis, nous vous y revoilà. Parce que bon, je peux enfin jouer à minuit. Et c'est pas prévu, je lance mes lives tard, mais là, ça fait 2 heures quand même que j'ai lancé. Mais non, ça va, tout va bien. On était à la cité liturgique d'Ordina, que j'explore un petit peu. Et puis on va se barrer... J'ai oublié où c'était. En haut des escaliers. On va prendre l'escalier et se barrer pour aller voir ce qu'il y a derrière le portail. C'est ça qu'on a depuis 2 heures à faire d'Angelus. C'est ça, mais oui, merci, super quoi. On ne serait pas rendu compte. Il aurait juste râlé dans une semaine qu'on l'a pas prévenu. Merci, super, exactement. Ah, complètement, ils auraient tous engueulé. Quoi, mais ça fait une semaine que c'est comme ça le stream, mais vous me le dites pas. Mais bordel. Comment vous faites? Non, mais en plus, c'était vraiment affreux. J'espère que là, il n'y en a pas un. Et s'il vous plaît, dites-le-moi. Voilà, s'il vous plaît, dites-le-moi. Non, mais en fait, je vais passer le portail, puis on verra. Ça marche, bonne nuit, Grisou. Du coup, on avait fait les énigmes, tout ça, dans la douleur, mais on l'avait fait. Et maintenant, on va passer le portail et voir un petit peu ce qu'il y a au-delà du portail. Jolie, cette image-là. J'aime bien. Ouais, let's go, examinez. Oui. Parce que de toute façon, on a un TP pas loin, donc on pourra se re-TP si ça va pas. À partir du moment où il n'y a pas un ennemi qui nous saute dessus dès qu'on arrive de l'autre côté. Mais pour le moment, ça m'est jamais arrivé. Oh, ça a l'air trop bon. Arbre sacré de Michaela. Oh waouh, je suis à l'arbre sacré de Michaela. Mais c'est trop beau. Wow. Mesdames, pères. Oh, c'est ceux qui font des... Oh. Je suis vraiment gratos, lui. Hein. Mais non, mais il allait être méchant. Waouh, j'aime trop cette zone, déjà. Oh, c'est sympa, c'est sympa. On voit le bel arbre derrière et tout. J'aime trop. Eux, je crois que si je passe juste à côté, ça va le faire. Ouais, Marlon. Ah ouais, les runes. Non, mais t'inquiète. Il n'y en a pas 55 000, tout va bien. Non, mais de toute façon, c'est... Oui, je vais me déplacer, ça va, ça va, ça va. Voilà. Voilà, vous voyez bien les runes, là? C'est bon. C'est bon, vous les voyez? Ah, c'est nickel, là, non, mais... MDR. J'arrive pas à déplacer ma cam, voilà. Alors. Mais de toute façon, mes runes, je les affiche que quand... Bah, que des fois, en fait. 56 000. On va déjà aller essayer de pécho tout ce qu'on croise. Lui, il va me taper, lui. J'ai des petits, parce que j'ai la flemme de changer de sort. Ils donnent combien? 1000 à chaque fois, c'est ça? Ils sont super... Ils sont super intéressants, eux. Ils valent le coup de ouf. La musique est vraiment pas très forte, je vais mettre un peu plus fort. Après, elle est très douce. Hein. Là, quand je fais mon sort, ça fait quoi? Ouais, c'est un peu fort, peut-être, pour vous. Si c'est trop fort, vous me le dites. J'ai pas mon épée, je sais pas pourquoi. Wouah, je suis là. Ok. Bon, sacré de Michaela. Alors. Je suis censée aller où? Alors par contre, des fois, effectivement, il y a des petits lags, mais ça, c'est le jeu lui-même. Il me lag des fois dans la tronche. Ça, c'est normal. Oh! C'est beau! Si, t'es dans des surpilles. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Ouh! Attendez pas ça, il m'a éclaté la gueule. Mais j'ai essayé de lui faire un coup dans le dos et ça n'a pas marché.
Oh, il y a des fourmis. Quoi? Attends. Attends, je peux pas fuir. Non. Ça va m'atteindre là? Non, je suis à 1000 km. Ok. Je vais mettre un petit shield. Mais ils m'ont vu super loin, quoi. Moi, je peux giga pas les viser d'aussi loin. Oh, ils vont m'emmerder, hein. J'ai pris un max de runes ici. Dans les autres, t'en prends. Et t'en perds si tu meurs. Donc, toujours. Oui, c'est vrai. Voilà, eux c'est fait. Et toi... Oh, j'ai plus de mana. Ah, mais on peut pas fuir, c'est horrible, on peut pas faire de putain de roulade. L'arbre de l'enfer, mais non, tout va bien. Tout va aller très bien. Vous me faire juste confiance, mais ça va être super bien. Et je vais boire ma petite grenadine. Très grenadé. Et puis je vais aller chercher mes runes. Oh, t'en sens bien, t'es pas tombé. Je tombe jamais, moi. M'énerve! À cause de OBS encore. Mais ouais, putain, OBS là! Il m'a buté! Relou! Bon, toi, faut que je te fasse une petite attaque furtive là. Attends. Je descends comme as. C'est ça que je voulais faire, attendez. Nul à chier, Nulachier. Bon, Ah, c'est pas grave, on récupérera nos runes. Is ok. Il y avait longtemps, mais oui, parce que j'oublie de les faire et pourtant c'est si bon. Voilà. C'est ça que je voulais faire à la base. Cadavre derrière. Voilà ça que je vais faire tout à l'heure que j'ai pas réussi à faire. Tu me feras R toi. Par contre, ouais, faut que je mette mes émotes. Non. Non. Horrible quoi, il t'attaque de tellement loin. Oh, ça lui a fait rien du tout. Voilà. Comment je monte pour les éclater, eux? Voilà. J'ai plus de mana. Attends! Oh,
J'essaye de trouver un endroit où je peux les attaquer, mais j'y arrive pas. J'essaie de me mettre bien au bord, de prendre une popo et de les viser après, mais bah non. Ils arrivent quand même à m'atteindre. Parce que ces trois-là, ils me saoulent de fou. Je les tue, hein, c'est bon. Ils font des petits bruits un peu aigus. Des petites voix aiguës. Mais non, je ne suis pas morte, j'ai appris. Simplement, quoi. Ça qui est beau. Tu fais quoi? Je te tue? Sinon, je vais par là, peut-être. Je vais par l'eau. Après, je descends l'eau. Mais je peux pas monter après. Non. Elle est super sûre, mais j'ai vraiment adoré l'explorer et trouver des chemins entre les branches. Ouais, ça a l'air rigolo. Là, j'ai très peu perdu de runes. Pas du tout, même je crois, j'ai toujours pu les récupérer à chaque essai. Ni 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 ni. Ah! Moi, je vais les tuer là, ceux là-bas. Ils m'ont trop vexé. Super. Ils me saoulent tellement ceux qui sont là-bas. Ils ont une portée de fou. Non! Oh, JPP! Faut que je trouve un moyen de les attendre, ils m'énervent trop. Mais j'arrive pas. Non mais ils sautent là! Tu te fous de moi? Non, je peux paniquer, c'est pas vrai. C'est naze ça un peu hein. Aidez ! J'en ai buté un. Oh, ça porte cette portée quoi. J'en ai marre. Moi j'ai des pâtes à minuit, c'est la vie. Manger n'importe quoi à minuit. Hein.
Non, ça peut être super tendancieux ce que je viens de dire. Oh. Là. Oh mais dis donc, ça va pas non. Je vais me venger sur ceux que je peux buter facilement. Par pure haine. Attends, 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 attends. Prends pas de risque. Mais pourquoi ? Ça me vénère un max là ! Je pense toujours à des trucs tendancieux de façon d'habitude. Non mais là avouez, ça aurait pu ! J'y ai pas pensé à la base, mais j'y ai pensé après. Non mais... C'est fait exprès ! Non mais voilà ! Ça m'énerve tellement j'avais tout prévu là. Venant de toi même plus choqué. Non mais please, sérieux, je suis à ce point là? Je suis choquée que vous soyez pas choquée. Pierre de forge. Voilà, au moins ça j'ai récupéré. Ça c'est ok. Oh, il est tout gros. Comme mon bidou. Par contre, les fourmis elles vont m'attaquer. Moi je les aime bien les fourmis, je vais pas les attaquer. En plus, elles vous apportent à manger et tout. Je pense qu'elles m'attaquent pas. Voilà. Soyez cute. Et c'est des ouvrières à The Tokpo. Par contre, celui-ci, là. Ah, je sens bien celui-là. Voilà! Oh, c'était pas beaucoup, je m'attendais à un gros boss. C'est pas grave, j'ai du loot, j'ai du loot. Oh, turban démissionnaire. Je suis démissionnaire. Franchement, je vais tester. En vrai, ça équilibre, non? Ça équilibre. Moi, je pense que ça me permet d'être plus en... de mieux balancer, quoi. Parfait avec ton armure, mais grave. Maintenant, bah vous êtes morte. Je préférais quand vous étiez cute et vivante. Une nana, arrête! Pas drôle. Oui! Tellement confiance que je fais plein de sauts, vous avez vu? Je suis un peu du godin. Tu vas me taper, toi? Je t'éclate. Ça va. La menace. J'ai regardé avec mes yeux et mon ruban. Et là. Là, les yeux du ruban, on dit Eyes of the Ruban. Ça fait tout. Oh, je saute pas, je saute pas. Je saute pas. Hein? Je saute pas. Est-ce que je saute en vrai? Non! Non! On veut pas ça. Eh, venez, on dit. Non! Attends.
one by one. Ça d'abord. Là. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. It's ok, ça se gère. Toi. Ta gueule. Ta gueule la plante. Arrête. Oh, et puis je m'en fous de la plante. Ah. Oh, ils sont là les trois. Attends. Qui m'attaque là? Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Dégage. Non, j'ai fait trop long. Non mais c'est bon, stop. Ils font beaucoup trop mal là pour leur nu. Arrête. Ah, c'est sous contrôle. Et bim, y'en a un qui est tombé. C'est chiant, on a toujours un. Oh non, c'est des grands. On a un, je prends du grand. Et vous avez vu depuis que j'ai le ruban comment ça va mieux? C'est normal, j'ai un meilleur équilibre. Demande à l'ennemi de s'arrêter, bah oui, c'est des fois que ça marche. On teste pas assez. T'as mal visé, espèce de loseuse, en même temps une plante, ça a pas Dieu. Bon. En vrai, maintenant que c'est fait. J'avais pas un truc à ramasser moi tantôt là-bas. En courant même. Les lames de pierre. Pourquoi t'as une ruche sur la tête? Pour aller avec le nid d'oiseau dans mon bidou. Enfin bon, vu la taille du bidou, là on est sur un nid d'ours. D'éléphant, mammouth, mutant. Je descends par où maintenant? C'est quoi? Pourquoi ça brille là? Ah, c'était mes runes, non? C'est le passé, ça. J'ai plus besoin maintenant. De toute façon, quand je level up, bah, je. Non, rien. Oh, toi, je vais t'éclatax. Attends, t'es à mon arc. Alors, toi? J'attends qu'elle vienne, sinon je sens que ça va se coincer dans l'arbre. Ah, ça t'a rien fait du tout. J'avais pas reculé. J'ai plus de popo. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je suis coincé. À l'aide. Je suis pas coincé. Trop géré. Ok, 68 000. Ça va. On va avancer un peu. Maintenant que j'ai récupéré plein d'objets de ce côté-là. Un peu désolé, mais bon. C'est comme tes copines, je préfère anticiper. Mes runes, oui, j'ai mes runes. Ok, parfois le vertige, là c'est chaud. Là, c'est... Là, bah, franchement, pourquoi avoir le vertige dans un arbre immense dans le vide? Ça va mieux. Bah... J'ai réglé le truc en étant en capture d'écran et pas en capture de jeu. Mais je suis dans la merde. Non, elle est trop. J'ai pris ma bobo, j'ai pas marché.
une putréfaction de sa mère. Ouais, tu vas déconcentrer, dégage. Il m'a fait... C'est peut-être la première fois de notre carrière de couple que tu me fais... Oh, tu fais comme Guenièvre. Ouais, elle a une scène où est ça. Eh, pout pout hein, pouet pouet hein. Camembert hein. Mais le truc c'est que comment j'ai fait pour atteindre cette zone? Oui. Putain la giga south. Carrière de couple. Et yes. J'ai raté. Le vise pas aussi. Ah. Ça va. Totalement sous contrôle. Non, il y a les trois autres, ils sont revenus. Je vais descendre là. Non, me fais pas chier, toi. Ça, c'est pas mal, ça. Faut pas qu'elle me nique les yeux, attention. Ok. Elles sont mes runes. Oui, c'est bien. Écoute, je m'adapte. Hein. Non! Arrête, stop! C'est chiant, c'est chiant. Mais c'est quoi ça? C'est des bombes de... Des bombes de putréfaction, là! Mais va putréfier ta mère! Doublou. Ah oui, mais bon... Ah mais bon, c'est un souci, ça. Je peux descendre là? Allez, on va descendre là juste pour être tranquille. Je ne sais pas ce que ce soit si long. Attendez, on va prendre une petite, petite truc là. Non, c'est putréfaction écarlate, qu'est-ce que je fais? Putain, un câble. Ah, c'est où? Arrête! Elle était plein de bullettes anti-putréfaction. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pris les mauvaises. D'accord, Sam? C'est quoi, ça? Mécanisme ne bouge pas, bah dis donc. C'est dommage. Ah! C'est bon. C'est beau, c'est beau. C'est quoi, la boulette? J'aurais pu ne pas prendre de boulettes, mais j'ai pas osé avancer. La crainte du futur. La crainte de l'avenir, un peu. J'ai combien de runes là? J'ai bien récupéré mes miennes. Ouais, j'ai 79 111. 177, c'est pas 111. Il me faut combien? N'importe quoi. Il faut combien pour le level up? Il m'en faut encore 30 000. Quasi, 25 000. Et bonsoir Royal, on te dit bonsoir dans le chat. Il est dans le frigo. T'as vu, j'ai une grande main. Ah! Oh! Attention, le reveal de la main de Royal. Y'en a un autre? Il est où? Me guider celui-ci. Non, cette zone est cool. Faut pas faire ça, là. Putain, je regardais le chat. Ah, mais j'ose pas retourner, là.
C'est Sparta! Tu peux tuer un gros mort et te bubu la tête. Et vers la droite, au fond, il y a un loot. Bah, c'est ça, non? C'est là où j'ai looté ça, Bloody, non? Je suis à l'arbre de machin. L'arbre sacré. I'm into the sacred tree. C'est bon, on se croirait chez les elfes un peu, vous avez vu? On va voir Galadriel. Elle va faire des grands yeux et me donner un cheveu. Ah! Je t'ai esquivé sans faire exprès, nulos. Bon, eux, on va faire une triplette. Tu sais, les triplettes de Belleville? Bah, pareil. J'ai pas aimé ce film d'animation, il était déprimant. Parce qu'il était pas beau. Venez. Oh, tu... Oh, c'est très long, hein. J'ai tapé un mec derrière. C'est pour une fois qu'il n'y a pas que les mobs qui peuvent passer à travers. Tiens, je te trouve. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Merci, Bloody. Il mange un yaourt debout à côté de moi. Il y a la télé, il y a une tête de mon copain en train de manger un yaourt et de me regarder. N'attendez pas à ça. Et puis quand je le regarde, il s'arrête avec des grands yeux. J'esquive jamais! T'as un bras chaud et tu vas noter un truc qui va pas t'intéresser. J'en étais sûre, ça, Sam. C'est pour ça que j'y suis pas retournée. Fallait pas lui dire. Ah, oh, c'est bon. Je commence à savoir ce qu'elle veut faire ou pas. Ah, je suis déjà à deux doigts d'abandonner le jeu, alors. J'évite de lui faire passer. Attends, j'évite de lui dire d'aller looter des trucs et faire passer trois plombes pour. Faire par dire, ok, c'est de la merde. Ouais! C'est à peu près ce que je suis. J'ai tout oublié. Hein. Bon, en vrai, c'est pas énorme, mais. Mais quand même, hein! On a dit non! Elle m'a looté 2000 ans! Loser. Là, j'ai 12 aussi. Donc, tous les deux des losers. Et de toucher celui qui est là. Il m'accroupit peut-être. Arrête! Chiant! Ça c'est fait aussi. Bon, mon loot il est là. Mais là il y en avait un juste là, je crois. Nine. Ah, je suis pas là. Arrête de m'embêter. Il y a des gens qui pensent fort à moi, j'ai l'oreille qui siffle. En fait, dans ta phrase, j'ai commencé par lire orteil. J'ai lu, j'ai l'orteil qui siffle.
J'ai trouvé ça très drôle de t'imaginer avec ton petit orteil à côté de ton oreille. On va être un peu souple, mais ça se fait. Oh, j'ai bien raté. Dégoûté. Ah là, la sortie. Non mais stop. Horrible en fait, il s'arrête jamais, il a pas d'endu. Il a pas de barre d'endu ce connard là. Oh le vieux cheater. Bon, faut que je trouve une autre, un autre endroit où me reposer. Ce serait sympatoche. J'ai eu un article sur un mec qui a la bite qui siffle. Toujours des années de ses pattes. Bah si, Bloody, ça peut t'intéresser. Moi, quand j'ai eu ton message, j'ai pensé à toi. Et ton orteil. Je sais pas si ça veut dire qu'on pense fort à sa bite quand ça lui arrive. J'habite qui siffle. Chérie ? Ah non, ça doit être la voisine. Madame Germaine ? C'est un donjon. Sa bite, ça devient une cocotte minute. Ah non, je vais pas faire demi-tour pour level up parce qu'il faudrait que je refasse tout ça. Non, mais on y est presque. Hein? On y est presque. Oh merde. Non, je ne t'ai sûr, je ne t'ai sûr, je ne t'ai sûr. Je savais zéro originalité, je vous déteste. Ah! Mais c'est bon, je suis morte, regardez, regardez, j'étais sûr de moi. Ça m'agace un peu. Je trouve ça pas cool. L'arbre sacré de Mickaël, là. Les 100 milliards, là. J'ai tout perdu. Bon. On avance, hein. On y retourne, j'ai envie. Motif Twitter quand ça siffle. What the fuck? Ah, je t'avais pas vu, toi. Ça semble une très bonne idée, Bloody. Ça ne peut que fonctionner. Oh, je teste. Non! 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 Non, plein de fois pourtant.
Je veux dire, j'ai vraiment demandé au jeu d'arrêter. C'est pas normal, ça. Ah, il a arrêté. Le jeu ? Attendre. Moi, j'y crois à mort. Eh, c'est super soirée en tout cas. Je passe. Oh là là ! Cette loose infinie aujourd'hui ? Attention, écran blanc. Alors, tu vas peut-être être sauvé si ça crache avant d'enregistrer ta mort. Je pense qu'elle a été enregistrée mort. On verra, hein. Déjà, on verra où je me réveille. Attention, il y avait un écran blanc. Oui, bah ça s'est fermé pas correctement, c'est un peu de ta faute en fait. On est basse, mais tu veux faller. Ah bon, sacré de Michaela. Zéro rune, hein. Alors attendez, elles sont où mes runes? Elles sont là. On va voir. J'y crois pas trop, elles sont pas très loin. Déteste. Elles sont là, mes runes. Je crois que ça dit non. Effectivement, le jeu il m'a écouté. Non, mais on s'en fout. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. C'est ta faute, Raven. Merci pour le follow. Non mais j'ai eu trop de soucis aujourd'hui là. Je peux plus hein, je suis qu'une humaine. Arrêtez d'être en vie s'il te plaît, c'est chiant. Bonsoir Raven Noir, bienvenue. Ou l'autre. Mais il est où? Pas lui. Oh, lui, il rapporte double. Ouah, 6300, c'est beaucoup. D'habitude, je le fais tomber. Voilà pourquoi il me fait pas chier d'habitude. Bah alors. Dans le doute, hein. Okidoki. Il m'a eu quand même. Mortel. J'entends du bruit là, ça me stresse.
t'es stoppé dans ton élan. Ah. Ça va, ça va. Non, mais il se quête. Non, c'est mauvais sort. J'ai envie de me... Mes articulations, une par une. Sors, Tiger Wolf. Tiger Wolf. Cette zone, un cauchemar. Ah, ça va. Le... En fait, ce qu'il faut pour cette zone, c'est pas mourir et pas perdre ses runes. Je vais finir par réveiller ma fille à force de rire devant le live. Oublie pas de lui offrir un sub. C'est pas bleu si beau, ça. C'est pas notre monde, ça. Bon. Voilà, ça c'est fait. Je vais buter juste lui. Voilà, on fait ça vite, hein. Pas le time, pas mort. Et on fait ça vite. Ensuite, là, il va avoir un truc. Il y a un truc qui se réveille. Voilà, toi. C'est quoi cette animation là? Moi quand je meurs, vous pouvez encore me taper. Mais vous quand vous vous relevez, je peux pas. Arrêtez de chiller. Ha! T'as cru que j'allais tomber? Et ben moi aussi. Ensuite, vous mettez des petits arcs. Voilà, comme ça il est full tombé comme un lulos. Attention là, il va me fausser dessus. Ah, je savais. Pourquoi? Parce que j'ai refait la zone 33. Ah, la rouleuse folle. Je roule dans tous les sens. J'ai failli tomber 5 fois là. Ah, en vrai, c'est un raccourci ça. Franchement, je vais récupérer mes runes et y aller. Oh non, il est là. Odé. Oh. Félicitations. Merci. Ah, oh, c'était bien efficace. Ouh là là. Arrête. Arrête. Tellement failli crever. Bon, c'est bon, j'ai 52 milliards de runes. Bonne nuit. On dit bonne nuit Royal dans le chat. Je dois pas crier. Ça va être chaud. Que de souvenirs ce jeu. Ouais, je joue à un jeu rétro. Toujours pas fini. 25 ans après tout le monde. Attendez. C'est une pro rendez-vous avec une nouvelle doctoresse. Mais elle a pris sa retraite. Et je lui fais la demande pour la bite qui siffle au premier rendez-vous. Oh là là. J'imagine trop bien la scène. Je trouve que c'est le début avec les mobs blancs. Ouais, qu'est-ce qu'ils étaient lourds. J'ai perdu mes runes là-bas. Ah, trop aimé qu'il tombe. Comme moi, je tombe. Pas moi. Ça marche pas. Attends, je roule. J'ai envie de me taper la gueule. Bientôt Malenia ou déjà fait? Pas fait du coup. Malenia, c'est pas la nana qui nous dit des trucs? Du coup, on va l'affronter? Je savais pas. Je sais que je délire. Il est tombé. Oh non, mais qu'est-ce que c'est pour ça? Il n'y a pas ça d'habitude.
Non mais... Il vient d'où ce gars? J'ai pas compris. Mais il est jamais là. J'ai vraiment pas compris. Bon bah... Au moins j'ai pas la pression des runes vu que je les perds constamment. Mais oui, évitez de spoil s'il vous plaît. J'ai une backseat autorisée puisque c'est différent du spoil. C'est m'aider à savoir comment faire quelque chose quand je galère. Mais si vous pouviez éviter de me révéler ce qui m'attend, ce serait gentil. Parce que bah, j'aime bien découvrir comme vous avez découvert le jeu quand vous y avez joué. Mon niveau c'est à... C'est quoi? C'est 127. Et voici mes stats. Je sais pas trop dans quoi mettre mes points maintenant. Et j'ai un build de full intel. Je suis rassurée. Bon! En vrai, j'y vais pas. Voilà. Ça marche pas hein. Il m'a OS. Non mais c'est lui, il m'a OS, il a fait un putain de sens, cet enfoiré, il m'a OS. Ouais mais pourquoi il arrive au-dessus de moi? Pourquoi il s'est excité tout à l'heure, il était pas? Genre même tout le temps en fait, je le vois jamais. Je vais te tomber dessus, ok. Oh putain, à chaque fois je pense que j'ai ce qu'il faut mais non. Pas du tout. Bah je prends des dégâts pour Rin. Oh ma fille était réveillée. Tu l'as fini par la réveiller. Mon katana c'est le katana de l'éclipse lunaire. Non, j'aurais pu le faire tellement facilement. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Or ça, j'apprends. Trop rire. Ouais, c'est trop foutu de ma gueule. Non mais j'en peux plus. Il me fait un coup trop puissant. Non mais j'avais pas prévu. Alors ça se passe à si j'avais pas prévu. Oh ils ont tellement de vie en plus. Vas-y là. Elle me loot jamais rien. Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue.
tout ce que je tente, je meurs tellement vite. Toutes mes tentatives sont un échec. Ça va être le nom de ma biographie, je pense. Tout me fait trop mal. Franchement, eux, je suis pas obligée de les tuer, mais c'est que lui, celui au fond. J'ai tellement peur qu'il finisse par me tuer s'il ne sait pas. Par venir de je ne sais où. Je le fais quand même. Arrête de me faire rire. Rien si l'échec de ma vie entière te fait marrer. Je peux rien. Toi je te... Oui. Bana. Où tout à l'heure, je suis tombée là. Après j'ai essayé de remonter, je sais pas où. Il y avait une échelle. Ah c'est là. Hein, l'échelle amène où? Allez, on y retente. Franchement j'y crois. Aucune idée de ce que c'est, mais ça craint. C'est de dos ou pas? Tu veux ou pas? J'en suis une flèche d'abord. J'y vais, j'y vais. Ah, j'arrivais pas à voir. J'arrivais pas à voir ce que c'était, j'arrivais pas à voir. Bon, c'est bon, j'ai vu. Et voilà. Ah d'accord. Ouais, j'ai vu tout à l'heure qu'il était énervé, ouais. Bah vise l'autre, non mais vise l'autre. T'as cassé mon shield, je te déteste. Ou chiant. Allez donc. Énervé mais un peu nul hein. Alors le loser, il a peur des portes. Moi j'ai pas peur des portes. Je m'en ai plein pour me rappeler que j'ai pas le droit de reculer. Non, je voulais lui mettre. Je voulais lui mettre un coup et ça c'est bon. Et puis là, c'est pas plus mal. Et après, il va se tester.
Ouah. Qui est le bichet, ça va, hein. C'est un peu mon seul bonheur. Ok. Les plantes, c'est des pétasses et des pétards. Donc, pas moins de passer par la fenêtre, je veux pas me suicider. Fernand, c'est pas très sympa de me le proposer en vrai. Ta gueule! Je vais y aller. Non mais je fais ça au pire endroit. Moi, je ne peux pas avant de tomber. Sauter avant de tomber. En fait, si je tombe involontairement, de toute façon, sauter n'était pas prévu de base, donc voilà. Et tomber volontairement, bah sauter ne change rien. Ah oui, là. Ah pardon, pardon. J'ai pas compris. Parce que j'oublie. Juste ça. En fait, j'évite pas vraiment les plantes qui font ça. J'ai pas de solution là. Mission. Vas-y, non mais franchement, aie peur. Papa, ils attaquent pas. Ouais, mais c'est vrai. Franchement, ça se tient ce que tu dis, hein. Et pourquoi maintenant il passe? Quoi qu'a changé?
Non mais vise-le, je t'en supplie, j'arrête pas d'essayer de le viser, ça veut pas. Ce qui change, c'est sa confiance en lui. Comme ça, c'est trop mignon. Non, juste là, je l'ai pas tué. J'ai un dragon ancien qui a Remel. J'entends ça, ça grogne là. Je vous entends. Ah. Je cours. J'ai un peu des ruines. On pourra faire quelque chose peut-être. Et pour finir ton upgrade d'arme, tu pouvais pas le faire. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Là, on pourra facilement venir chercher nos ruines s'il faut. Alors on va aller voir ce qu'il y a ici. Ça passe. Je triche. Dans ta gueule le jeu. Et à la page sombre. Mais tiens. Mais j'ai pas de feu, elles sont trop chiantes tes plantes. Franchement, va me falloir un gant pour les autres là qui utilisent la foi là, les losers là. Tu peux te moquer que je craque pas, mais si Whisky, tu fais pas non plus. Je le fais un peu, mais là il en faudrait vachement. J'ai la flemme, ça va prendre 5 minutes là. C'est bon quoi. Mais je le fais, hein, à chaque live, je craque mes quelques petits biscuits. Juste pas beaucoup. Là, je sens bien. Ça semble être une superbe idée. Ah, du loot, là. Loot ici, hein. Tiens. Ah ! Les tasses ! Non mais j'avoue. J'aurais dû utiliser peut-être. La prochaine fois que j'en suis jeu, je fais un stress de combien j'en ai. Mais oui, non mais je sais très bien que t'en as bien plus que moi. Toi tu utilises vraiment jamais. Tu me dis que t'essayes toujours de les compléter avec des mobs. Toujours. Moi j'avoue quand il me reste... Bon là j'ai 30 000 à faire, j'ai un peu la flemme. Mais sinon... Non j'aurais fait. Cherche la merde. Là je cherchais la merde. Là je cherche la merde. J'avoue, chercher la merde. Mais en vrai, là, on va aller faire les 30 000. Mais je dois mettre mes points où? En foi alors? C'est ça? Allez, là, vous savez quoi? Je vais claquer mes biscuits, là. Quoi? J'ai entendu du bruit. Quoi? Donc là, qui est un comme ça. Hop. 3008. C'est long, hein. Alors, un plus élevé. Mille. Ah, c'est pas mal. On est presque bon, là. Attendez, je check.
Mais c'est bien ça. Faut me dire que je pue la merde dans mon level, que gagner 20 levels et toujours pue la merde, c'est pas faux. Ça, je suis d'accord avec toi. Au début, je me suis ultra rarement servi, mais oui, tu m'as dit. Est-ce que je me mets en foi pour pouvoir avoir des sorts de feu? Est-ce que, dire ça, si tu penses que ce serait un bon move? Ou d'autres, en fait. Parce que là, pour le moment, j'ai qu'un gant tout pourri pour faire les trucs, là. Enfin, bref. J'ai vraiment aucune envie de formuler des phrases. Salut, sœur moine. Parce que c'est ça, mon souci. C'est que je ne sais pas où placer mes points maintenant. Bon, c'est d'aller respect. Rester à 50 ans de tel, tu verras pas la diff et mettre 10 en foi. Avec un talisman, tu auras les 15 utiles si t'as besoin. Non, mais faut que je mette mon point où? C'est ça ma question, surtout là tout de suite. Je veux pas respect. Ça augmente mes immunités. En vrai, ça c'est pas mal. Mais ça, non, mais ça les augmente de très peu. Hein. On voit alors. Ok. Par contre, je regarde un truc. Imaginons un chemin en esprit. Arrive à terre à 28. En endu. En endu, ça passe de 32 à 33 en endu. Et là, en intel, ça passe de 186 à 186. J'ai l'impression qu'on gagne qu'un ou deux points max tout le temps, en fait. Là, regarde, j'en gagne un, mais de plusieurs trucs. En vrai, je gagne des immunités, donc ça, c'est bien. Même si c'est de la daube, la foi. Allez, j'ai mis en foi. C'est, si c'est un aveu d'échec. Moi, je trouve. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai la flemme de respect. J'ai la flemme de refaire tous mes points par un. J'ai la giga flemme, je respect. Et j'avoue, ça me saoule parce que... Parce que j'ai fait exprès d'avoir un build assez, assez calé en intel en me disant oh, au bout d'un moment, c'est bon. Ça prend 15 secondes de replacer 1000 points. Non. Ça, alors non. Ça va pas mon point de 15 secondes. Parce que je vais devoir chercher dans quoi mettre mes points pour que ça me soit utile. Et je vais devoir chercher des armes qui vont avec. Je vais devoir du coup me renseigner sur le build qu'il faut. Je vais devoir aller après chercher des sorts et voilà, chercher les gants de merde de foie et compagnie. Ça va pas me prendre 15 secondes, hein. Ça va me prendre une demi-heure. Hein. Parce que je ne sais pas en quoi il faut que je respecte. T'arrêtes pas de me le dire, mais moi en fait je sais pas où je vais répartir mes points. Parce que si je respecte, on me dira sûrement « Ah non mais faudrait aussi que t'aies ça, faudrait aussi que t'aies ça, faudrait aussi que t'aies... » Je sais très bien. Du coup, faudra que j'ai une autre arme. En plus de mes deux que j'ai déjà. Bref, somme complète, somme complète. Somme complète. One shot. Vraiment. Oh, je vais les tuer d'en haut aussi. Qu'est-ce que je m'en fous de récupérer mes runes? Je vais voir si je peux les tuer d'en haut. Oh là là. Rien à battre. Alors là, rien à tellement battre. Le meilleur mot. Ah. J'avais pas prévu celle-là. C'est génial. Thank you.
Voilà, elles m'ont eu en deux coups. J'ai tellement changé mon build quand je jouais temporairement en hôtel, juste passé de points. On joue avec un bâton et trois sorts. J'ai un talisman plus 5. Ils m'ont rien changé à mon reste. Bah déjà rien que ça, voilà. Rien que le fait de devoir. Toi, tu savais quel bâton t'avais utilisé. Moi, je sais même pas. Quel gant à la con je suis censé utiliser là. Rien que ça, ça va être chiant. Il faudrait que je switch constamment d'armes. Toi tu as pu le faire temporairement. Moi ce serait genre 1000 trucs parce que bah apparemment tout est sensible au feu dans ce putain de jeu, mais rien à la magie. Du coup je devrais passer mon temps à enlever mon bâton pour mettre mon truc de foi. Et du coup il faudrait que j'aille dans mon équipement ou alors que je mette des points en force pour pouvoir porter une troisième arme. Parce que bah... Obligé constamment de changer. Parce que j'ai ce que tu peux faire, mais faudra que tu me montres les items que t'as ou t'as pas. Tu les retiennes parce que j'en ai beaucoup que j'ai, mais aussi beaucoup que j'ai pas. Non, mais c'est ça en fait qui me saoule, c'est qu'il faudra que je me renseigne avant aussi et tout. Je crois que c'est vraiment ça qui me saoule le plus pour la respect en fait. Le fait qu'il va falloir que... Ah, il est sorti par la bite, du googling. Merci Tiger Wolf. Merci beaucoup. Ça pour ça. Faudra que je fasse du googling pour savoir ce qu'il me faut. Et j'avoue que rien que ça, ça a été compliqué de savoir quel build il me fallait en Intel. Alors si en plus je dois switch, ça va être chiant de savoir ce qu'il me faut. Ça en fait. Salut Gweno. Ok, t'es gentil petit Sam. Tu viens, en fait, il te reste au moins 50 ans pour finir Elden Ring. Rends compte de la chance que tu as. Ah, j'ai pépé. Oh, je les aime bien eux. Oh, j'ai des mobs stylés, j'aime bien. Quoi ça donne? Par contre, les mobs d'à côté là, ça je les connais. Eux, je les connais. Eux, ils sont affreux. Allez, tu perds. J'ai break the shield. Ah non, il faut que je fasse pareil avec l'autre. Obligé pour pas qu'il cherche son coup. Et moi j'avais pas d'endu. Pas mort là. Bon, doutais, j'ai esquivé n'importe comment. C'est une incantation. Merde. D'accord. Je m'en doutais un petit peu. Je me disais, c'est bizarre, ils étaient bien cachés quand même. Parce que j'ai pas du tout vu qu'il y en avait 14.
Second Kidder. Hey. Run, 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 run. Run, run, run away. Non, non. Je casse en quatre. Comme du chocolat Mika. J'avoue, j'avais pas de vie. J'avoue, encore une fois, j'ai un peu cherché la merde. Salut, Jox. Désolé, pas de soucis. Je comprends. J'esquivais là! Un, deux, trois, il me semble des escargales! Bah, super! C'est un bon moment, moi! Couille! Voilà. Ouh. Oh, je sais, mettre ça. Je fais l'arc parce que c'est celle qui a la bonne portée. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux annuler, je peux annuler. Arrête, nul! Arrête! Il y en a d'autres. Oui, il y a lui. Pas le même escargot. Juste pour voir un zoubi, chicou. Je souhaite une bonne résoie, bonne fin de Demstri. Mustri, c'est ça. C'est magnifique. C'est vraiment l'une des plus belles langues qui soit, le verlan. Contente de l'avoir inventé. Il y en a un autre encore. J'entends. Comme je le vois pas s'enfoirer. Non. Dis-le lui. Je vais mettre un coup avant. Dis ok. Est-ce qu'on gagne des runes quand on tue les soldats là? Parce qu'en vrai, si t'as le truc qui les tue bien, bah tu peux. Pas mal pex hein. Oh, j'y croyais zéro. J'ai tenté, mais j'y croyais zéro. Ne casse pas la manette. Oh, E en verlan. Ouais. La meilleure lettre. Non, arrête de viser. Oh, et puis je descends, en fait. Ils vont tomber, c'est ça? Fantastique. Ah non, ils tombent pas. Ah si, ils tombent. Non, ils tombent pas. Ah si, ils tombent. Il traîne un cadavre! Alléluia! Traîne un cadavre!
Le plan bizarre. Il y a un autre vivant qui a monté vers l'an. C'est le mec qui a chanté connard de virus, c'est un grand homme. Il veut tuer la boule, lui. Laquelle? Celle de gauche ou celle de droite? Parce que là, il y a des deux. Ça va pas des mêmes que vous pensez, bande de schnappons. Enfin, j'ai maîtrisé les esquives, ça faisait à peu près 20 ans que j'avais pas fait. Mais je m'en fous de toi. Bah, c'est pas dingo dingue hein. Je vois rien. Je vois quelque chose. J'entendais que ça craint du boud. Ça craignait du boud. Ça craint du boudin, mais c'est bon. Oh, un petit bourgeon sacramentel. Sacrément sympa, dis donc. Qu'est-ce qui est ma vie pour un bourgeon? C'est un truc de héros. Héroïne. Bon, bah, je me tiens. Parce que là, bah, je peux pas passer. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'emmène où? Ça m'emmène l'eau, je suis devenu l'eau. J'avais trop prévu ce qui allait se passer. Un boss. Oh, pas un boss, un chien. C'est juste des chiens, ça. Fais gaffe, effectivement. Je savais que ça allait rien leur faire du tout. Bien, c'est que les petits sorts, ça n'a presque aucun effet sur eux. Mais c'est pas réciproque, hein. Pour me viser, je serais dans la mer. Vous gênez, bande de nulos. C'est pour les impressionner, ça. Fais un peu le foufou, toi. Hein. Mais putain, mais on n'a pas la même résistance, hein. Oh, ça m'énerve, j'arrive pas à le viser.
J'étais achevé sinon. Ok. Ah oui, d'accord. Deuxième, parce que... Sélectionne fonctionne bien. Mais oui, mais bon. Moi, je peux pas mettre de saignement sur mon arme. Les armes où je peux en mettre, elles sont à chier parce que j'ai pas beaucoup de force. Toujours le même problème quand on se spé. On n'a pas le droit dans ce jeu. GG, bonsoir. Merci. Salut Aurel. J'avoue, j'étais un peu incroyable, mais c'est grâce à ma boule. Ma partenaire. Dis-moi que c'est un truc autre chose qu'un papillon ou un bourgeon. Ok, j'accepte. Dire un œil. Bon. Il y en a là-bas sur ton katana. Du saignement, mais tu dis trop de sottises. Mais il n'y en a pas là-bas sur mon katana, qu'est-ce que tu racontes? Attends. Vérification tout de suite. Équipement. Accumule du saignement. Tu vois? Je t'avais dit, il y a du saignement. Ça va, hein. J'ai pas vu ton post sur Insta. J'en fais pas beaucoup, mais quand je les fais, ils sont exceptionnels. Bon, c'est vraiment rien de fou. Mais bon, faut bien que je revende mon compte. Alors, ça sent le boss, ça pue. Ça pue. J'ai combien de... Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais suffisamment. Le verrou, il est raccourci avant. Comment ça, le raccourci? C'est pour les gens qui arrivent pas bien à jouer, ça. Du coup, je vais y aller. Ah mais oui, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, mais oui, je me rappelle. Il marchait pas. C'est bon là, c'est, ça marche hein. C'est toi et l'eau. J'aime bien la réponse. J'aime beaucoup. Un pansement de Bjorn, un pansement de couille. Et tout saignant. Putain, à chaque fois j'ai l'impression que je vais tomber. Bon voilà, c'est bon, c'est déverrouillé. Allez, ok. Moi je pense. Je vais aller à Coupi. Ça a bien marché. Oh, c'est à cheval. Moi aussi je peux. Non, je peux pas. Attends. Mais c'est trop de la chauterie, à cheval. Et moi. Moi je suis à chaussure. Ah, tu utilises mes sorts. Trop nul de jouer mage, tu sais ça. Moi je fais que depuis le début du jeu. Hein. Je choisis mes sorts. Attends. Mais il a tous les mêmes sorts que moi. Mais... Je suis une influenceuse même dans les jeux. Je prends popo. Par contre, la lance a l'air stylax. Ah, j'ai pas beaucoup de... Bah, j'ai pas beaucoup de tout, en fait, là. J'avais si bien maîtrisé. Ah, c'est Loretta. Ah, c'est qui? C'est tout ça une tête de bite. Là, je l'ai mis que pour ça. Hein. Je l'ai mis que pour qu'on puisse s'éclater à trouver. Parce qu'en vrai, je suis sûre qu'ils mettent pas mon pansement. Mais au moins. Qu'est-ce que je fais là, moi? Attendez, Où je vais? Si je vais... Attendez. Tourne au feu. Celui-là? C'est celui-ci, le feu? Non, parce que la dernière fois que je suis allée à un feu... Je fais B, en fait, plein de fois, là. Là, je fais B plein de fois.
Au-dessus de l'ascenseur. Pas con, vous êtes pas con. Retourner faire plein de popo. Oui, bah avec des tu aurais pu. Hein. Et ben. Ben on aurait peut-être gagné l'euro, tu vois. Loretta, 2002. Essayer de faire un loto à qui le tourne, ça va marcher. Oh non, ils sont là, eux. Je cours. Non, je cours, tu sais pas. Je laisse faire tes propres expériences. C'est vrai. L'important dans la vie, c'est les expériences et récupérer ses ruines. Je me suis dit que je vais en sortir avec une esquive. S'il te plaît, laisse-moi. Oh, je suis stupide. Écoute, Loretta. Tu veux pas affronter quelqu'un sans rune. Pas très récompensé pour toutes ces esquives que je fais. Mais j'ai il a frappé ma couille. Bon, l'important, n'utilise pas d'invocation. Non. Je veux me dire que j'y arrive. Non, c'est pas ça, c'est que mes invocations, pour certains fights, vu que ça, elle prenait l'aggro, je l'avais beaucoup amélioré, elle prenait l'aggro. Et en fait, vu que moi je suis à distance, ça rendait quand même des fois les combats un peu plus un peu trop triviaux. C'est peut-être pas le cas là, hein. Mais depuis un bon moment maintenant, j'en utilise plus en me disant en vrai que je peux le faire sans. Voilà. Ça veut pas dire que j'en utiliserai plus jamais. C'est un bon bruit de bouche, désolé. Ça veut pas dire que voilà. Ça veut pas dire que vous ne verrez plus mon chevalier. C'est qui ? Je sais plus quel bouton. C'est un chevalier sans tête. Mais pour le moment, si je n'ai point besoin, je ne fais point. Attendez. Là je fais ça, là je vise, hop, j'essaye. Ah, c'est... toute cette préparation pour 5 PV en moins, quoi. Attends, Loretta. Attends, Loretta. C'est bon, Loretta. J'esquive dans le mauvais sens. Là, j'esquive dans le bon sens. En vrai, je peux esquiver, j'ai eu de la chance. Attention, c'est les petits pétales. Mais pourquoi Loretta a la même sort que moi exactement en fait? Mais j'ai déjà affronté le... Non mais on a déjà affronté Loretta, c'est ça? Pourquoi quand on tue des gens dans ce jeu c'est jamais définitif? Je veux dire c'est le principe quoi. Côté pratique. Du tout quand ça va être long. J'espère que vous aimez bien quand ça tourne en rond comme ça. Mais non, mais j'ai full esquivé là, j'ai esquivé.
super. Non. J'ai le droit à 0 erreur. 0,1. Mais comment tu entends ? Bah oui, c'est très pratique. Plutôt que d'inventer un nouveau tueur, on va en mettre le même, mais en plus chiant et en fantôme. Ça, c'est le sauce. Je vais voir de l'eau, tiens. Ça fait vachement longtemps que je fais de l'eau. Attention, la manette ne lève pas. Ça va, je suis pas haute. Voilà. Ça va, ça va. Ça va, je la jette pas. Elle est sympa. De te causer à elle quand elle fait son arc. Elle pourra pas te toucher. Elle pourra me toucher ici. Et ici. Tu sais, il n'y a pas que les coups physiques qui blessent. Il y a aussi ce qu'elle pourra me dire. Prends pas compte, toi. Ah ! Voilà, j'ai utilisé de la mana, c'est super. Bravo. Pas grave, j'y vais quand même. J'y vais avec handicap, j'ai de la mana en moins, sachez-le. Autre handicap, ça me gratte un peu l'épaule. Troisième handicap, petit cheveu dans les yeux. Non mais j'ai, voilà, j'ai des circonstances de gameplay n'étant pas optimales, il faut comprendre que ça peut être encore plus compliqué. Faire un petit terme, d'accord. Je viens d'accord que tu l'auras battu. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. N'hésite pas à te faire à l'équivalent de 5 marmites de thé quand elles seront toutes parfaitement chaudes, bouillantes, je dirais même, avec la quantité de thé adéquate et que tu auras tout bu. Alors là, je serai presque à la fin du boss. Attends, attends le retard. Le retard. Prends pas le retard. Loretta. Loretta. Marrant, Loretta. On dirait un peu une phrase à elle-même. Loretta. 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 Loretta la jument. Ce que le bronze est au diamant. Alors, attends. Piki Pogo. Je t'affronte. T'as vu ? Clairement, il est chiotte, Sam. Mais bah oui, arrête. Ah, autre handicap, j'ai une petite douleur dans la nuque. Ça, c'est la douleur du combat. C'est pas optimal, c'est pas optimal. En plus, je peux plus crier, mon copain il dort. Non, je crie quand même. Pire, il comprendra. Pourquoi t'as hurlé toute la nuit ? Et je jouais, mec. Voilà. Franchement, je vais pas essayer de récupérer mes runes. Ça me bouffe de la vie pour pas grand chose.
39 000. En vrai, on peut les récupérer avec des petits bonbons. Non. Ah oui, d'accord. T'as jamais besoin vendu, quoi. J'allais quand même la récupérer là en vrai. Je progresse pas beaucoup. Je trouve que la barre là ne progresse pas beaucoup. Ça fait un bruit rigolo. Je pense que j'entendais pas. Non, c'est que moi. Je la ferai écouter à mon copain. Il est réveillé comme ça. Mon copain écoute. Ça, c'est le désespoir de la défaite qui commence à parler à ma place. Dis-moi, j'en fais, t'entends ? Vas-y. Ça résonne. Non, mais c'est marrant, je pense que c'est parce que j'ai le casque sur les oreilles. J'entends plus parce que ça enferme un petit peu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous voyez pas. T'entends fort toi aussi, hein ? T'as vu, on t'entend fort, hein ? Je veux dire... Je pensais pas que me tapoter le visage, ça s'entendait quoi. Ouais, on dirait que c'est tout vide dans notre tête. N'importe quoi, je ne suis pas un tambour. Je suis une loque. Ça c'est trop... J'ai une portée en fait tellement immense que il faut que j'esquive au moins deux fois son coup. Ou alors pile poil au bon moment bien sûr. Bonsoir, cuit tendu. Ce petit passage est comme ce soutien du soir. C'est adorable. Merci. Merci, merci. J'apprécie fortement. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plus mal? Est-ce que peut-être que ce sort-là marchait sur elle? Tant ta progression. Mordu ! Mais c'est chaud. Hein. J'ai de plus ou c'est moi qui bug. Je sais pas si j'ai associé aussi parce que. Tu fais ban deux fois. Merde. Pas vaincu avec Esburn ? Non. Non, mais t'as pas fait assez de thé aussi, c'est ta faute. J'esquive sur le côté là. J'arrive pas à faire proc. Elle est trop longue, l'alerte a tombé. Ah, j'ai peut-être mis 10 secondes. J'avoue, je vais... Enfin, j'ai pas mis en fait. Je crois que c'est 10 secondes de base et j'ai jamais modifié.
J'ai pas envie de pisser au livre. Coup tendu, je suis banni. Alors j'ai remplacé des réels par des majuscules. Cause de ton pseudo. Et tu joueras pas rebelote. Alors couille tendu, jusqu'au prochain. Un petit peu un provocateur, comme Jean-Pascal. Ah mais c'est chiant qu'on passe là, là. Eux, ils aiment pas. Ils me font peur. Bon, en vrai, c'est absolument pas un problème à chaque fois, mais là, faut que je trouve une raison à mes échecs répétés. À distance, je crois. Non, mais tu sais, ici on n'a rien contre les couilles. C'est vrai, il y a rien de choquant dans couilles tendues. Je pense que c'est plus. Plus le fait que tu dises, bon, c'est un troll. Voilà. C'est juste ça, quoi. Et oui, il y a aussi les streamers que ça gêne, ce genre de mots. J'en fais complètement partie d'ailleurs. Si tu pouvais partir. Il me like. Mais je pense que c'est aussi le fait que, voilà, dès que tu vois un pseudo comme ça, tu vas peut-être te dire, oh, ça va être un troll. On banne quoi. Je pense que c'est juste ça. Ça passe pas, mais qu'est-ce qu'il y a pas dans le Sims, ok. Non mais on connaît la demi-mesure de Twitch à ce niveau-là, ça c'est pas nouveau. Hein. Enfin, on peut continuer à être choqué de ça, et oui, c'est choquant de ces demi-mesures que Twitch a. Mais on le sait maintenant. Après, au niveau des mots limites, bah c'est des bots, hein, tout simplement, les amis. Donc, Et puis même si c'est pas le cas, bon bah voilà, de base, il y a des mots qui peuvent effectivement ne pas passer. Les épées maintenant font plus mal. Non. Et voilà. Et là, le problème, c'est que l'animation me bloque. C'est parti en débat. C'est mignon, hein.
Hop. Ouais, laissez les streameuses qui ne vous ont rien fait tranquille. Par contre, écoutez, t'as le droit de pas être d'accord avec leur contenu, mais vraiment, tu avec tes scènes. Ah, ben non, mais je suis en capture d'écran, tu sais bien. Et en fait, des fois, pour faire défiler le chat, je suis obligée d'alt-tab. Je sais pas, Infernal ou moi, quand je regarde des vidéos de food, bah j'ai jamais des gens à poil, donc je saurais pas te dire. Tu tapes food porn, c'est peut-être pour ça aussi. Mais perso, avec mon copain, on regarde vraiment pas mal de vidéos de bouffe, de cuisine, de trucs, de tout genre. J'ai jamais tombé sur une nana presque à poil, jamais. D'ailleurs, c'est très souvent pas du tout des nanas. Et très souvent, on sait pas du tout, on voit juste des mains. Donc ça, j'avoue, peut-être en fonction des recherches, parfois, quand même. Mais bon, encore une fois, ça changera. Critiquer ça ne change rien, en fait, que des mots puissent être, voilà, puissent être limite pour Twitch. C'est-à-dire... Il peut y avoir un lien entre vulgarité et sexe, mais ça reste deux choses très différentes. Et du coup, bah... Voilà comment c'est pas insulter des streamers ou des streameuses ou des créatrices de contenu sur mon chat. Parce qu'on parlait à la base de mots ban. Au bout d'un moment, faut peut-être arrêter. Mais des nanas qui montent leur corps et des mots vulgaires, ça a finalement pas de vrai lien. Donc voilà, c'est rien de s'exciter pour ça, l'un pour l'autre, je veux dire, ça a pas de lien. Même si je comprends, voilà, mais après, bah, c'est la plateforme qui a aussi souhaité évoluer comme ça parce que ça lui rapporte. Faut pas faire comme si Twitch n'était pour rien. Et ça n'a pas de rapport avec le fait de bannir le mot couille. Voilà, faut vraiment arrêter. Talisman, ça donne quoi pour ce fight? Ah, j'ai mis beaucoup, mais talisman magie. Force à toi. Merci, Raven. Après, là, j'avoue, depuis quelques essais, je suis un petit peu moins focus. J'essaie de suivre le chat. Je savais et je l'ai fait quand même.
vraiment pas le droit à l'erreur avec ce truc. Ouais. Il a changé ses sorts. Non, j'ai esquivé. Je l'ai pas celui-là. C'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Oh. Priorité au soin, la moindre ouverture. Ouais, là, ouais, je sais. C'est vrai que je fais pas... Je n'aime pas assez. Mais bon, au moins j'ai avancé, j'ai progressé. Deux super beaux combos d'esquive. J'avoue que j'ai réussi à esquiver, mais... ouais, j'ai encore quand même un souci de résistance. Hein. Peut-être remettre un truc qui... Quoique, c'est des sorts de magie. Enfin, c'est de la magie qu'elle m'envoie, donc en fait, ce que j'ai là, c'est peut-être pas si mal. Contre la magie. Il n'y a pas beaucoup. Sam, c'est super lourd, je crois. Ah, c'est vraiment fantastique, quoi. Je pense que le look ne fait que évoluer pour devenir le paroxysme du glamour. Il avait une bonne résiste magique. On va voir. Allez, vise. Il est tellement loin que tu peux pas la viser. Là, j'avoue, j'étais pas dedans. Non, mais Twitch a complètement décidé de d'être un lieu pour ça, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais par contre, c'est des streams interdits aux moins de 18. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, la personne, si elle a bien mis qu'elle avait moins de 18 ans, ne pourra pas cliquer, ne pourra pas avoir accès au contenu. Et les personnes qui ont plus de 18 ans sont prévenues en disant un petit message. Moi, j'avoue, je veux pas moins de 18. Je sais pas. Parce que je trouve que je suis un très bon contenu pour les jeunes. Non, moi, j'ai mes petits... J'ai une petite mes petits cousins qui sont encore mineurs et qui passent des fois. Mais sinon, j'avais hésité à être tout le temps en 18+. Pour être sûr de pas. Je sais pas. Pas avoir de soucis, notamment avec mes. avec mon humour un peu gras.
Après, bon, très franchement, si mon gosse allait sur Twitch, je serais beaucoup plus inquiète par rapport à son contact dans avec les personnes qu'il y aura dans le chat. Je serais beaucoup plus inquiète des MP et je serais aussi inquiète de certaines personnes très toxiques, plus que du fait de voir une nana deux minutes dans une piscine. J'avoue. Mais j'ai pas de gosse, donc je dis ça, voilà. J'ai pas à m'en soucier non plus. Mais c'est vrai que le chat me ferait plus flipper. Les chats, notamment, les gosses iraient beaucoup sur des streams de jeux qu'ils connaissent bien ou de streamers qu'ils connaissent bien. Et ce serait sûrement beaucoup du Fortnite, des trucs comme ça. Et c'est des jeux qui ont des communs quand même très toxiques. Et Valo, du Fortnite, du... J'allais dire du LOL, mais même plus trop maintenant. Et ça... Ça, j'avoue, quand je vois certains chats et de certains lives, c'est très rare que j'aille sur ces lives-là. Ça va être pour des événements particuliers, des trucs comme ça, histoire de voir leur point de vue. Mais le chat est quand même... J'avoue que pour certaines communes. On me dit, ouah, c'est vrai que... Les gamins, tu tombes là-dessus, mais... Dans quoi t'évolues, quoi. Non, dommage. J'ai pas osé. Ah, c'est bon. Super. Les trucs m'ont éclaté, je suis dégoûtée. Ça commence à s'énerver. Calmez-vous, les amis. Ah, les mecs qui cuisent en pleine nature. Ouais, j'avais vu ça. J'ai vu ça. En accéléré. Vous connaissez aussi la chaîne Primitive Technology? Où c'est un gars qui construit des fours dans la nature. Tout le temps il construit des fours. Alors, mon copain il le suit. C'est une vidéo où le gars parle pas à chaque fois. Voilà, il est juste filmé en train de préparer ses trucs dans la nature. Ça fait très tropical là où il est.
Et en fait, on le voit fabriquer tout plein de trucs avec les moyens du bord. Donc à chaque fois, il fait ça. Il va faire son propre argile, sa propre terre, ses trucs. Ah, excusez-moi, j'essaie de me concentrer. Ses propres outils, tout ça. Et du coup, on le voit évoluer petit à petit. Avec Bassa Cabane, avec ses fours, avec ses outils. Il essaie de progresser, il essaie de trouver du fer et tout. Et c'est assez sympa. Même si, comme je disais, Van est mon copain. Van est un peu la chaîne devant mon copain parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir. En fait, ces gars, ils construisent que des fours. Ils construisent des fours pour construire deux tours. Parce que franchement, à un moment, ces vidéos, c'est que ça. Ils construisaient un four, mais ça allait pas. Ils leur construisaient un, ça allait pas. Enfin, ça allait pas. Ça avait l'air d'aller, mais en fait, la vidéo d'après, c'était encore un four, donc. Puis il y avait un four pour cuire les briques qui servaient à faire l'autre four. Il est assez fort après. Et sinon, je sais plus quel autre chaîne, comment s'appelle l'autre chaîne, mais j'en ai vu un où les gars ils font vraiment souvent des structures. Donc voilà, avec des outils qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, avec de la terre et des roches trouvées, machin. Et ils font genre des piscines, des trucs comme ça, mais ça fait très naturel du coup. Et je sais plus comment s'appelle cette chaîne. Et ça j'aime bien aussi. Et souvent, les gars dans la vidéo ils ne parlent pas. Juste tu comprends petit à petit ce qu'ils font quoi. Et des fois tu vas peut-être avoir des trucs écrits. C'est assez sympa. Bon maintenant faut que je me concentre. Franchement je peux le faire. J'approche de plus en plus de la fin. Hein. C'est possible. Mec avec des pointes de flèche, des genres de couteaux et forges. Mec qui est dans toutes ces vidéos il est crade. Juste aucune raison. Ah ouais? Ah je sais pas. Je sais pas si on parle du même. Je sais pas. Après le gars en question, lui, il a toujours. Dans toutes ses vidéos, il a toujours la même tenue. Il va avoir ses petites. Il va être pieds nus ou avoir les chaussures qu'il a fabriquées. Il va avoir son short et torse-poil. Voilà. Mais après, il est sale, bah c'est qu'en fait, il est tout le temps pieds nus et il travaille tout le temps avec ses mains. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression de le voir crade. Là, à chaque fois, je regarde ça sur mon portable. Juste en short en général, c'est ça. Avec même le slip qui est en dessous de son short, il l'a fabriqué. Il a même fabriqué une paire de couilles en argile. Tout à fait. Non, il les a enduites. Pour qu'elles soient très solides. Je suis content. Si je suis prudent, ça peut aller, mais c'est que la deuxième phase est dure et. Les esquives sont tellement chiantes au bout d'un moment. Elle va pas tuer, je ne sais pas comment c'est possible.
Allez, concentration. Non, je le savais. Ça, quand il fait ça, enfin quand elle fait ça, je suis perdue. Tiens, allez, il est déjà 2h10. J'ai commencé à jouer tellement tard. Bon, j'ai relancé le live plusieurs fois, on a eu plein de soucis, c'était compliqué. Même Elden Ring a crash. J'ai testé Overwatch pour tester mes soucis parce que j'avais pas de problème de saga de machin. Overwatch a réussi à crash, jamais crash. C'était c'est une soirée où ça enchaîne un peu la merde, quoi. Donc si ça pouvait... Je me demande pourquoi t'es allé en retard, mais je m'étonne. Déjà que j'ai commencé live plutôt tard. Un peu plus de 22h. Parce que je faisais mes tests de lumière. Ensuite, je lance direct sa saccade là. S'en est suivi 45 minutes, 1 heure de test. Pour finir se rendre compte que je pouvais régler le problème assez facilement, mais j'avais pas testé le bon truc, évidemment. Hein. Je fais des tests, mais j'ai pas testé les bonnes choses. C'est un peu énervé, ce petit. Voilà, t'as fini ton enchaînement de merde. Ah ! Ah, tu recules là, hein ? Petite clopinette, va. Non, non. Je peux dire non, elle fait quand même. Hein. Puis nana. C'est bien ballot. Surtout pas que ça me touche ça. Je meurs mais 4 fois. Ouais. Une fois de plus que le nombre de flèches. C'est faisable, là c'est faisable. Non. Pas de grisance, pas de grisance. Félicitations! Merci Infernal Angelus! On va l'ascenseur une fois en bas. Non mais j'avais pas besoin! Merci! La faucille! Merci. La synchro, ouais, t'es vraiment très très bon en synchro de message. Je suis émue. Merci pour vos GG. Merci beaucoup. M'insister, hein. M'insister. J'ai pas vu qu'on m'a joué de rune. On va regarder ça tout de suite.
arrêter la VOD là-dessus parce qu'elle dure 2h23. Je vais faire que des VOD de moins de 2h, j'y arrive bien. GG, merci. Même pas vu ce que t'as eu en rune, 200 milliards. Je peux monter presque de niveau. Elle file son ascenseur en par... Ouais, elle file les 3 flèches. Je vais pouvoir tester. Victor bien mérité, merci. Ah, je suis émue. Ça me saoule, mais je suis obligée de mettre en foie. Je vais mettre en enduit aussi, parce que j'en ai toujours, j'en manque toujours un peu. Et j'aimerais bien... Ah, ce serait bien atteindre peut-être 40... Ah, je sais pas. Ou alors atteindre 40 en esprit. Parce que la mana ou l'enduit, ça reste toujours un petit souci. Et sinon... foie. J'ai été obligée de monter de niveau. Pour avoir des points. Bon, je vais faire ça déjà et on va prendre des petits biscuits. Merci Wagaminda. Merci beaucoup. Ouais, je vais prendre 2 levels maintenant. Tout à fait. Je sais jamais combien c'est. On pourrait voir quelque part combien ça donne, quoi. Sérieux, quoi. Sérieux. Combien ? 1000. Ok. J'ai dit 8000 ? Il fallait plus que 8000, hein, complètement. Il fallait genre 15000. Il m'en faut combien ? 6000. Je vais y arriver. Place tes levels en Inde pour faire agir. Franchement, bon, j'avoue que c'est pas con ça. Non, moi j'aime bien. J'aime bien tes idées. Monkey, j'ai 3. 15 000. C'est un peu trop. Mais c'est pas grave. Moi j'ai pas besoin de le refaire 15 fois. Sur le wiki, c'est noté. Mais c'est chiant, il pourrait le mettre quelque part, quoi. Relou. Au moins, une fois que tu les as testés, qu'ils te mettent déjà le montant. Ça sert à quoi de faire un mystère de ça? Mais je sers à rien. Je remets un point en vigueur. Je sais. Ah si, quand même. Non, pas en vigueur. Voici quand même, peut-être en vigueur. Voilà. Je suis à 1000, je suis très limite. Je vais mettre un point en vigueur. Très très limite en vigueur, quand même. On m'avait dit qu'il fallait que j'ai au moins 1000 PV. J'étais à 1000, quoi. Bon, au revoir la VOD des bisous. C'est moi.